Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de test de Geek The Mall. Aujourd'hui, on va tester sur l'Oculus Rift un jeu qui s'appelle Super Hot VR. Donc voilà, on a lancé le jeu. Donc faut savoir, c'est que je l'ai déjà fini une fois. Donc en fait, il y a tous les niveaux qui sont là. Je vais vous montrer quelques niveaux pour que vous compreniez un peu le système du jeu. Mais en fait, il est super simple. On va commencer avec le dojo, je pense. Donc en fait, ça, c'est le menu qu'on a une fois qu'on a fini le jeu. Je vais faire le dojo. Comment ça se passe? En fait, dans ce jeu, vous voyez, c'est en jeu réalité virtuelle, hein, comme on a pu voir plusieurs fois sur les jeux sur Oculus. On a mes mains qui sont là, et en fait, il y a des mecs. Donc, tant que je bouge pas, vous voyez, les personnages en face de moi sont fixes. Si je bouge la tête comme ça, vous voyez, le temps reprend son droit. Donc là, je vais choper l'arme. Et là, on a quoi? Tout ce qui est noir, c'est ce qu'on peut choper. Donc là, vous voyez ici, ce qui est les étoiles de ninja, on peut les jeter. Hop là. Est-ce que j'ai foiré mon coup? Ah non, putain, ça n'a pas marché. Hop. Et donc là, tac, on peut s'amuser, acheter des objets. Essayer de se prendre pour un ninja. Alors, c'est pas évident de viser, en tout cas, avec les étoiles de ninja. Ah putain, voilà. J'aurais pu me les faire à la main. Mais là, vous avez compris le principe. Tant que je ne bouge pas, les mecs restent frisés. Et si je bouge la main comme ça, vous voyez que... Touk, 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 touk. Putain de ta gueule. Et donc en fait, les niveaux du départ sont assez simples. Et plus ça va aller, plus les niveaux vont être assez difficiles. On va continuer, on va refaire, je sais pas moi, le airport. Le but c'est de vous montrer comment ça fonctionne. Alors, là, il y a un mec en face de moi. Je vais chercher midi à 14h. Hop, il faut le tuer. Donc les mecs qu'on a butés, vous voyez, ils peuvent lâcher leurs armes et on peut les récupérer. Donc là, il y a deux gars qui arrivent vers moi. Allez vous faire enculer, bande de bâtards. On peut se déplacer, hein, vous voyez, comme ça, il n'y a pas de souci. À ce niveau-là, jusqu'à la limite forcément de mon guard. On peut envoyer également les armes. Donc je sais que au level suivant, je vais être au-dessus là-bas. Donc je vais essayer de acheter, putain, les armes. Ah putain, je crois que je me suis chié dessus, mais c'est pas grave, on va essayer. Hop, j'arrive là. Oh putain, c'est bon ça. Hop. Donc là, si je fais rien, vous voyez, il bouge pas. Si je tire, bim, ça reprend son droit normal. Tac. Putain, raté. Oh, voilà. Donc forcément, quand je tire, les jambes bougent aussi. Donc il faut tirer un poil avant, si vous voulez, pour pouvoir buter le mec bien comme il faut. Donc ça a l'air tout con comme système. Oh putain, je l'ai pas eu. Oh putain, j'ai fait me prendre une balle. Une deuxième. Oh. Et franchement, des fois, on a l'impression qu'on est dans Matrix. Eh, dans ta gueule. Bim. Il suffit de les toucher pour les tuer, donc il n'y a pas besoin de viser un endroit particulier. Si on touche le pied, ça marche aussi. Vous voyez, il faut que je tire. Putain, j'ai plus de munitions. Sa mère. Donc à mon avis là ça va être foutu. Allez viens, viens, viens. Je vais devoir éviter les balles. Hop. Allez viens. Donc vous voyez je mouline, c'est pour faire avancer un peu le temps. Oh putain. Oh GG. Donc le principe il est assez simple. Et c'est vrai qu'on meurt assez facilement au début. Et le but après c'est de connaître les niveaux par cœur et les faire un petit peu comme si on était dans Matrix, comme si on était super balèze. Je vais essayer quoi, je vais essayer peut-être ça. Ça fait longtemps que j'y ai pas joué donc. Hop, personne. Okay. Hop, fusil à pompe c'est mieux. Allez. Je sais pas dans quel coin je vais être, donc dans le doute. Dans le doute. Je suis nulle part. Ok, il y a trois mecs avec des fusils à pompe. Ah oui, je crois qu'il faut juste que j'évite les balles là. Donc là, vous voyez les balles qui m'arrivent sur la tronche. Et quoi te faire flipper? Donc je me baisse. Et là, je crois que j'ai passé le niveau. Voilà. Et là, du coup, c'est vengeance. Oh putain. Est-ce que je l'ai eu l'autre? Putain, non. Waouh. Fusil à pompe, mitraillette, c'est très bien ça. Est-ce que je vais l'avoir? Ouais. Merde. Hein? Ah putain, il m'avait tiré dessus avant. Ok, on recommence. Donc maintenant on connaît un peu le niveau. Donc on peut aller un peu plus vite. Et c'est
ça qui est drôle. Je sais pas où je vais apparaître après, donc Osef. Voilà, c'est les guignols qui me tirent dessus. Ah, vous voyez là? Il y a le mec qui est mort juste avant. Voilà. Tac, tac, tac. C'est les trois gus de tout à l'heure, ça. Putain, je suis mort. C'est pas grave, on recommence. Tac, on enchaîne. Hop. Allez, tire-moi dessus. Ouah, putain. Chaud. Et c'est un peu... Ça devient de plus en plus physique. Merde. Oh putain. Voilà. Monte chez ta mère. Poufias. Toi tu dégages. Je l'ai eu. Toi tu dégages. Le fusil à pompe, je vais peut-être le garder pour le mec en haut. Il était chiant à voir. Merde. Sérieuse. Oh putain. Hop. Super. Voilà. Vous voyez, c'est un peu tendu, des fois on peut avoir des petites suées. Le jeu s'appelle Super Hot, c'est pas pour rien. Alors j'ai fait le Graveyard, je vais peut-être essayer un autre truc. Un peu plus compliqué, peut-être un peu plus chaud. Airplane, je crois qu'il était chaud. Ah oui, il est trop bien celui-là. Je me souviens. Déjà, c'est trop bien, tu bats avec une hache. Ah merde. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de buter le mec de gauche pour récupérer son couteau, enfin un truc un peu à la Matrix de ouf, et il y en a un quatrième derrière. Hop. 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 Oh, c'est trop bien. Ok, parfait. Oula. Merde. Ah, c'est lequel qui m'a eu. J'ai pas fait gaffe. Ah merde, j'ai fait retour au niveau suivant. Au niveau précédent, c'est pas grave. C'était... Airplane, pour frapper, ok. C'est parti. Hop. Easy. Alors toi, tac, 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 tac. Allez, viens toi, tac. Easy, tac. Alors c'est lui qui m'a tiré dessus, donc... Hop, je suis tanké. Je tire un peu sur la droite pour essayer de le... Voilà, je l'ai. Easy. Easy, easy. Wow, 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 wow. Merde. Si je tire comme une merde, mitrailleuse. Merde. Merde, putain, je tire comme une merde. Hop. Nickel. Je sais pas où je vais apparaître après, donc... Merde, j'appuie sur grab. Ça va vite. Oh. Super. Wow. Hot. Super. Hot. Super. Hot. On va éviter d'aller en bas. Donc vous voyez le principe, c'est vraiment tout con. C'est vraiment bien parce qu'on a vraiment l'impression d'être dedans, d'être un peu à la Matrix, de faire des trucs de ouf. Je vais essayer un autre. Un compliqué ou pas un compliqué? Un compliqué. On va essayer ça. Ouais, putain, celui-là, il est un peu plus chaud. Oh, je vais toucher le pied, vous avez vu? Merde, putain. Oh putain. Il y a un gun là. Putain. Ah, c'est le mec en haut qui m'a baisé. On va essayer celui-là, mais c'est pas dit que j'y arrive. Merde. Je vise comme une buse. Ah, touché. On essaye. Bim. Tac, tac. Ah, c'est bon ça. Je pense que je l'ai sur le prochain. Touché. Nickel. Oh, c'est chaud là, putain. Ah, je suis une grosse buse pour tirer, en plus avec les couteaux. Allez, 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 allez. Allez, allez, viens, hop. Normalement, vous ne me voyez plus sur la vidéo, mais c'est pas grave. Ah, c'est l'autre qui m'a eu à côté, putain. Et du coup, donc, j'ai recommencé, ce qui fait que les niveaux, on les connaît plus ou moins. Bah, je vais crever, c'est foutu. Bon, c'est quand j'aurais pu choper le fusil à pompe. Là c'est chaud, c'est chaud pour ma gueule. C'est court, fils de pute. Ah bien, tac tac. Donc là c'est vraiment
Chopin vert. Ah, il y a un autre truc. Normalement, on peut. Ah, ça le fait pas là. On peut leur exploser la gueule à distance avec une sorte de pouvoir. Donc là, je vais peut-être éviter lui parce qu'il est assez simple à éviter. La mitraille derrière, elle est un peu plus compliquée, donc il faudra que je me focus dessus. Vraiment, j'évite les balles. Hein. Au bout d'un moment, il n'y a plus de mission, Cam. Voilà, c'est son pote qui le tue, c'est très bien. Oh putain. Je me suis tapé mon canapé dans la. Là, vous ne me voyez plus. Oh putain. Voilà, c'est bon. Je me relève, je sais pas du tout où je suis. Allez, viens, mec. Au bout d'un moment, t'auras plus de balles, il faudra que tu t'approches quand même. Ok. Hop. J'évite. Ça passe juste à côté. Et t'as plus rien, t'as encore des munitions, mec. C'est marrant parce que je peux péter les balles avec le truc, vous avez vu. C'est plutôt pas mal. Est-ce qu'il me reste une balle? Ah putain, j'ai plus de balles, ça merde. Ah puis putain, là-bas il y a un truc que je pourrais pas la voir. Bon vas-y, tu t'approches ou bien? Sinon je suis baisé là. Putain, je suis nul pour jeter les trucs. Ah, il va s'approcher ce couillon. Allez. Donc on peut faire avancer le temps comme ça, on s'en fout. Eh mais au bout d'un moment il a plus de balles quoi, faut arrêter. Oh putain. Allez, c'est pas super rigolo, regardez ça, j'imagine. Voilà. Ouf. Oh putain, c'est lequel qu'il faut tirer en premier? Lui, je pense. Deuxième. Merde, putain, j'ai plus de balles. Ah, oh, y'a un autre fusil à pompe en dessous. Oh putain, ça a bugué parce que je suis au niveau de mon canapé. Ça capte pas par là. J'ai juste regardé où je suis. Ok, je suis de traviole. Ok, c'est mieux comme ça. Ok. Fusil à pompe, direct. Faut lui niquer. Oh putain. Donc, ce qu'il faut faire, c'est buter ceux qui sont plus faciles. Putain, il y en a d'autres. Oh putain. J'en chie, j'ai plus de balles, je crois là. Oh putain. Oh putain, non, le con. J'y étais. Allez, on recommence. Vous avez vu, c'est chiant parce qu'on recommence ici. Hop. Hop, non, mais ça le prend, c'est bon. Hop, hop. Bah, c'est chiant, c'est que ça. Essayer de choper. Ah lui il nous avait cassé les couilles, putain ça passe juste à côté. Oh putain. Headshot. Allez, vise bien. Vas-y Nico. Tu peux tuer ce fils de pute. Non je l'ai. Bien. Alors là c'était compliqué. Yeah. Là. Ouais, c'est là que ça va devenir très compliqué sur le niveau. Parce que je crois que c'est un peu la galère. Donc lui, on bute avec ça. Lui, on bute avec ça. Si je peux voir celui de là-haut. Oh putain. Oh non, je l'avais pas vu. Putain, toujours observé. Tac, tac. Moi, je vais essayer une dernière fois, mais vous voyez un peu le principe du jeu. Putain, là, c'est chaud. Ouais, je suis mort. Voilà, donc c'était pour vous montrer un petit peu le principe du jeu. C'est assez rigolo. Là, je suis baisé. À moins que j'arrive. Franchement, si j'arrive là, je suis un ninja. Voilà. Donc le jeu, vous voyez, il est assez rigolo, mais en même temps, il est assez compliqué. On peut jouer soit vraiment en mode bourrin, n'avoir rien à foutre, se dire ouais, j'ai sur les. Les trucs que je réfléchis pas, finalement ça marche peut-être mieux. Oh putain, hein.
c'est bon. Allez. Oh, tu ta mère, poufias. Alors, lui, il est compliqué. C'est... J'ai plus de mission, normalement ça devrait être easy. Voilà. C'est le niveau d'après qui est super dur. Ah. Je vais essayer, mais je suis pas sûr de réussir parce qu'il faut énormément. Gâche tout là. Putain, je me suis pris une balle dans la tronche. Voilà, mais donc en fait on a l'air con comme ça, mais il y a des niveaux qui sont beaucoup plus simples. Hein. Là c'est vraiment, je crois, c'est le dernier niveau, donc c'est un peu plus compliqué. Je vous en montrerai peut-être un autre un peu plus easy, mais après c'est marrant, c'est quand on connaît les niveaux par cœur, on tire, on fait n'importe quoi, on a l'impression d'être dans Matrix, on est des oufs quoi. Que je vais essayer. Corpo office, je sais plus tout ce que c'est, mais bon, au moins, on va voir si c'est... On a ça. Oh putain! Putain, il a pété la graffe. Fuse. Bon, il est mort. Ah, il y avait un gun là. Oh merde, putain! Et boum! C'était le patron. Là où? Faut aller où? Eh, mais j'ai rien! Là-bas. Je prends la main droite, ce serait mieux. Ouais, c'est bon, il est mort. Ok, je me demande s'il faut pas. Merde, putain. Oh ah, il m'a eu quand même. J'aurais dû bouger la tête avant. Tac, allez, on essaye parce qu'on est des ouf. Putain, ça, c'est bon. Non, non, ça, je vais le jeter par là parce qu'on va par là, je crois, après. Il est trop loin. Allez. Ok. Un autre là-bas. Je l'ai eu. Non. C'est lui qui m'a buté tout à l'heure. Ah, les PV. Et bim, skip patron. Oula. Quelqu'un? Je suis nul avec les. J'aurais peut-être attendre de les faire approcher pour leur piquer leurs armes, mais. Allez, venez! Venez, venez! Tuc! Tuc, easy! Tac, ça fait que dalle, les mecs! Allez, venez! Faut que je fasse gaffe parce que des fois. Faut pas m'avoir. Wow. Sinon, je me mets là, j'attends. Ils vont forcément rentrer au bout d'un moment. Ting, 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 ting. Et bim. Merde, putain, je peux. Oh, oh putain. Fou. Allez. Wow. Show your commitment. Je l'ai fait, mais je me souviens plus de ce truc-là. Ouais, je pense qu'il faut avancer comme ça. Ok. Ah, faut peut-être que je tombe. Ah, c'est ça, oui, ok. Oh putain. Ouais, donc aussi, ça fait chier. Ça fait chier parce que bon, bah, j'ai pas envie de descendre, je pourrais tomber. C'est parti. Ah non? Il veut pas descendre? Ah bah, c'est quoi? Il y a un bug là ou bien? Eh bien, je crois, mes amis, que ça se termine sur un bug. Donc, je sais plus ce qu'il faut faire ici. Bah super, une classe, le salon, avec une belle vue et tout, mais je crois que normalement il faut tomber. Alors j'ai essayé de réinitialiser la vue dans l'app, pour être plus proche du bord peut-être. Et ça ne fait rien, donc voilà, bon bah je vais terminer là-dessus de toute manière, mais je sais pas pourquoi ça bug ici, j'ai dû zapper un truc. Bref, le jeu il est vachement bien, il est vachement drôle, il fait suer de ouf. Il faut faire attention, il faut surtout mettre les grilles de guard au niveau de l'Oculus pour pas savater un petit peu les meubles. Je suis pris plusieurs fois le canapé, donc vous avez vu, c'est plutôt pas mal. Et donc voilà, et je ne sais même pas si je suis en face de vous.
Mais c'est pas grave. Donc je vous dis à bientôt pour un nouveau test. Mais franchement, ce jeu, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux en VR parce que ça exploite énormément les mouvements. Et franchement, alors je sais pas ce que ça va donner en vidéo quand vous allez voir, mais une fois qu'on est dedans, je vous assure que bah on y croit à donf. Donc voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne semaine ou un bon n'importe quoi. On s'emballe et je vous dis au revoir.